vent. Transport de troupes blindées en approche.
Même si c'était fait. Hey, Léon, ça fait du bien de t'entendre, Alice. Où est-ce que vous allez? On a un plan pour quitter la ville, un centre commercial plus loin. Maintiens ta position. Roger ! Hack ! J'avance ! Ne tirez pas ! Allez, à genoux ! QG, nous avons un prisonnier. J'attends vos ordres. Tire de couverture ! Comme si c'était fait ! Mercenaires devant nous. On s'occupe d'eux, on verra après pour contacter Alice. Bouge pas, Salem. Bien sûr! Thank you.
Alice, on n'a pas entendu. Le Darren, les ont installé une base. Si vous en foutez. Alice? Sans saleté de merde. Je crois qu'elle veut qu'on entre là-dedans. Peu importe ce qu'elle a dit. On est fait comme des rats si on reste ici. Continuons. Grenade en approche!
une idée? Tu m'étonnes. On démarre ce bulldozer et on marche derrière jusqu'à l'intérieur. Je suis partant. Je dois recharger. Encore vivant, chef. Bien. Enfermez-moi ces minables dans les cellules 4 et 15. Le patron veut s'amuser un peu. Eh ben, bienvenue à l'hôtel Jonah. Vous allez regretter de pas être mort. Mais le patron se fera un plaisir de vous achever. Ah!
Salem, Salem, t'es là? T'es tout seul, crétin. Merde. Dans une sorte de prison, un truc d'amateur, je me suis tiré. Je cherche la sortie, et toi? Pareil, sauf qu'un russe cinglé m'a aidé. Dis bonjour, Majnev. Bonjour, Ragnoy. Où est-ce qu'on se retrouve? Tu vois le gros câble sur le sol. Les câbles vont dans la salle de contrôle. On se retrouve là-bas. Rios, on est à la salle de contrôle, t'es où? J'y suis presque, bougez pas. Devant panneau de contrôle. J'y suis. Bien. Appuie sur le bouton. Salem, toi aussi. Défait.
Avance. On se voit bientôt, Rodnoy. J'adore ce boulot. On n'est jamais trop prudent.
Comment t'as atterri là-dedans, Brejnev? Je travaillais pour le grand patron. Rare bol. Alors, je travaille pour moi. Grand patron? Jonah, c'est un putain de cinglé. Il parle toujours de communauté et liberté pour tous. Et il paie pas trop mal. Mais en fait, il veut juste tuer les faibles. Alors moi, je me dis, lui pas comme Marx, plutôt comme Lénine. Ok, maintenant, fichons encore d'ici. Est-ce que vous voulez dire au revoir en faisant un gros de vaillou-mat? Il y a explosifs près d'ici. On les place à bon endroit en haut et tout le bâtiment tombe sur leur tête. Alors montre-nous où les poser. Ça, je peux faire. J'ai marqué chaque point d'un X rouge. Tu es mon nouveau russe préféré. J'ai mis coordonnées dans GPS. Pose les bombes. Moi, je te couvre d'ici. Monte sur la gâchette. Je promets rien. Me laisse pas tomber, vieux. Je peux pas tirer avec ce truc. D'un coup. Il vaut mieux que l'un de nous porte la bombe. Et pendant ce temps-là, l'autre le couvre. T'as pas de couilles, tout ira bien. J'ai marqué chaque point d'un X rouge. Tu es mon nouveau russe préféré. J'ai mis coordonnées dans GPS. Pose les bombes. Moi, je te couvre d'ici. Super. Vas-y doucement sur la gâchette. Je promets rien. Je peux pas tirer. Il va falloir que tu me couvres. Te couvrir? C'est les explosifs que je protège.
aucune. Thank you.
par ici. Je suis parti. Hé, les gars. J'en ai une bonne. Je sais pas. Escoute-moi. On a passé une sale semaine. Non, toi, c'est pas ce que tu es bon, mais je pense que tu es marron. Hé. Non, ta blague, c'est de la merde. Ah, pas mal, Rios. Hé, que dis-tu hein? Oh, c'est nul. Oh, allez, c'est drôle. Très, très drôle. J'ai plus de munitions. J'ai besoin de soutien. Comme si c'était fait. Américains. C'était drôle. Maintenant, je vais prendre un peu de bon temps. Quoi? On va quand même pas le laisser faire ça? Qu'est-ce que tu fous, Brejnev? Ça, c'est pas vos affaires. Partez avant que je me mette en colère. Je sais pas si on peut faire ça. Quoi, tout à coup vous avez trouvé une conscience? Dommage. Bon, je vais vous aider un peu. Je vous donne argent et vous partez. Argent facile. Quel enfoiré! T'inquiète pas, ils sont trop petits pour ça. Ouais, tu riras moins quand tu te seras vidé de tout ton sang. Direct, c'est match nul. Voyons si elle vise mieux que toi. Ah.